écoute, ça c'est un instrument voilà, élaboré. Ben, c'est un assemblage en fait dans des éléments divers et variés, un petit peu sorti ces batteries conventionnelles. Et puis des éléments viennent du traditionnel, maloya, ansati, piqueur et puis rouleur. Donc ça c'est pour moi c'est la colonne vertébrale. Pourquoi il m'a fait ça? Drôle d'idée, autres va dire moi. En fait, moi, la batterie, c'est mon instrument de cœur. Il faut savoir comment elle a démarré la musique à l'époque avec la batterie. Puisque dans le quartier, il y avait beaucoup de monde, des guitares. Et les gars avaient dit, moi, Bruno Rodin, il a fait un peu de table d'ici pour accompagner nous. Ben, là, on commence à taper un peu d'ici, porte-bagages vélo, avec bons éléments, la cuisine, et pour m'apprendre jeu, hein, parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter batterie. Et les débuts d'Apollonia, Michel Passy, les gens y rappellent, en 91, ben, moi, j'avais fait les premiers concerts à la batterie, et avec un micro, et puis nous chantons en même temps. Après, moi, je la mettre de côté pour faire guitare, pour dépanner. Je me dis, ben là. Ben là, je reviens 30 ans après, à tourner grand page. Je reviens à mon instrument de cœur, mon instrument favori qui m'y adore. Sauf que maintenant, je la fais un assemblage avec mon sonorité qui m'y kiffe. Pour prendre un mot comme là, non? Que m'y kiffe, tu vois? M'y kiffe mon sonorité traditionnelle. Ben, m'a fait une batterie, il sonne traditionnel. Voilà, me fait un petit. Voilà. Après, ma détail, ça c'est pour en fait me reposer un peu bonne sonorité la réunion. Hein. Et donc, ça les gaillards, et ça il fait danse de monde, et avec Sam, ça fait danse azote. Voilà, c'est tout. C'est bon? Salut!